Salut tout le monde, c'est Okonaye. Aujourd'hui on va continuer la série sur les combos de champions qui one-shot dès le niveau 6. Pour faire les exemples, je suis dans une partie customisée et Ashe sera notre victime. Les équipements utilisés respecteront à peu près l'or obtenu à ce niveau pour pas tricher. Alors c'est parti. Numéro 1, Panthéon. Alors je ne joue pas Panthéon, mais alors son combo, je ne m'attendais pas à autant de dégâts. Il faut simplement faire son ultime qui va lui permettre de sauter dans les airs, puis retomber un peu près plus tard sur endroit ciblé. Évidemment, on va cibler là où est notre victime. Ensuite, on Z pour l'étourdir et lui sauter dessus, la lance avec le A, puis le E et la cible est probablement déjà morte. C'est un des combos les plus puissants au niveau 6 de la série. Numéro 2, Ekko. Alors pour Ekko, c'est très situationnel. Dans mon exemple, c'est vraiment pour surprendre l'ennemi et lui faire énormément de dégâts en très peu de temps. Mais ça arrive rarement comme situation. Il faut que notre clone du passé, via l'ultime, soit sur notre cible. Ensuite, on lance le A ainsi que l'ultime, le E, puis une auto-attaque pour l'activer et finir notre cible. Numéro 3, Riven. On continue avec des gros dégâts. Alors, je vous ai déjà montré ce combo dans les combos les plus durs à réaliser, mais ce combo one-shot dès le niveau 6, donc c'est assez important de le montrer. Dans ce combo, j'ai un Tiamat, mais c'est vraiment pas obligé. On va utiliser le E tout de suite après le R, ensuite le flash suivi du Z, une auto-attaque, le Tiamat, puis l'ultime et le A, et votre cible devrait être morte. Si vous voulez plus de ralenti et plus de détails, allez voir la vidéo des combos les plus durs à réaliser sur ma chaîne. Par contre, je vous préviens, c'est pas simple et va falloir vous entraîner pour ce combo. Numéro 4, Harry. Harry, malgré sa capacité à être très mobile, peut facilement one-shot une cible fragile au niveau 6. On va utiliser notre ultime pour se rapprocher, activer notre E avec le bisou pour faciliter les prochains sorts, puis le Z et le A, et si besoin il reste les deux charges de son ultime pour finir la cible. Numéro 5, Fiddlestick. Alors ce combo est un des plus puissants et peut renverser de nombreux fights à lui tout seul. Il va falloir la plupart du temps se cacher dans un buisson ou derrière un mur pour faire son ultime, car il peut être interrompu ou simplement évité. Une fois l'ultime dans les ennemis, on va lancer le A pour faire fuir la cible qui nous gêne le plus. Ensuite, on lance les corbeaux avec le E pour réduire le groupe d'ennemis au silence, car normalement ça rebondit, mais là H est toute seule. Puis on peut drainer la vie avec le Z si on n'a pas besoin de se déplacer. Donc voilà, l'épisode 3 est terminé. Normalement c'était le coaching 5v5, mais j'ai eu un bug et j'ai pas pu record, donc je suis désolé. Donc si vous voulez un épisode 4 des combos de champions qui one shot au niveau 6, vous pouvez laisser un commentaire, je lis tout le monde et vous donner de très bonnes idées. Vous pouvez aussi laisser un like, ça aide beaucoup. Merci encore et à la prochaine. Bye.